Je remercie Monsieur le Président, Excellence Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président Azali Assoumani, Président de l'Union africaine, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur le Président Vladimir Poutine, pour votre accueil convivial et toutes les dispositions prises afin de faciliter notre séjour. Je me réjouis de vous retrouver pour la troisième fois en 2 ans, après notre rencontre du 3 juin 2022 à Sotchi, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, et plus récemment, le 17 juin dernier, dans le cadre de la mission africaine de bons offices. Ce sommet s'inscrit dans le même esprit de concertation russo-africaine dont les origines remontent aux années de lutte pour la décolonisation de notre continent. Les relations russo-africaines sont excellentes et je m'en félicite. Mais je pense que nous avons encore des efforts à faire pour donner un contenu plus consistant à notre coopération économique. Le potentiel de notre partenariat est énorme. L'Afrique, on le sait, c'est 30 millions de kilomètres carrés, plus de 1,3 milliard d'habitants. La Russie, c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés et plus de 144 millions d'habitants. Ensemble, notre continent et votre pays constituent un géant démographique et disposent de l'essentiel des ressources naturelles de la planète. Nous avons donc de quoi coopérer dans quasiment tous les domaines, agriculture, agroalimentaire, industrie, hydrocarbures, mines, transport, industrie, technologie de l'information, de la communication, sécurité, pour ne citer que cela. Cependant, Monsieur le Président, il nous faut bâtir des mécanismes adéquats et pragmatiques. Des mécanismes donc d'investissement, de financement et de partenariat. On aura remarqué que je ne parle pas d'aide, parce que je ne crois pas en l'aide en réalité. Et pour répondre à notre jeune frère, notre cadet, capitaine Traoré, président du FASO, l'Afrique, les chefs d'État ne sont pas venus ici pour mendier. Tout comme nous n'allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d'égale dignité entre les peuples. C'est le même discours qu'on tient à Dakar, ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Donc je pense que le combat de l'Afrique est d'abord un combat pour la dignité. Et ce combat, il transcende les générations. Je suis très heureux, moi, d'être à côté du président Museveni ou du président Denis Sassou Nguesso, qui ont été pour l'un des combattants de la liberté, pour d'autres, des modèles de résilience. Et chaque génération a son combat à mener. Le nôtre, c'est de combattre d'abord le terrorisme qui est en train de gangréner notre continent. Mais aussi, c'est de travailler pour le développement de notre continent. Mais si on y regarde de très près, pourquoi l'Afrique en est à cette situation? C'est justement le poids de l'histoire, l'héritage de l'esclavage, de la colonisation qui se poursuit à travers des manifestations de néocolonialisme et à travers l'injustice du système que nous combattons au quotidien. Nous avons demandé la réforme du système des Nations Unies. Nous avons demandé la réforme de la gouvernance mondiale qui aujourd'hui conditionne la vie de nos États. Et quels que soient par ailleurs nos efforts, si ces règles ne sont pas modifiées, eh bien, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi il est important que nous travaillions dans la solidarité, que nous travaillions également à l'échelle du continent, puisque les défis sont majeurs. Nous avons des micro-États hérités du Congrès de Berlin qui nous empêchent de travailler à l'échelle. Si on ne comprend pas cette situation,
on perdra beaucoup de temps sans efficacité. Je crois que la Russie, avec ses capacités en matière d'investissement, peut travailler avec l'Afrique sur ses grands projets régionaux. Et l'Afrique a besoin d'infrastructures de développement. L'Afrique a besoin de chemins de fer. Elle a besoin d'électricité, de barrages. Elle a besoin de la sécurité collective. Et sur tout cela, l'Union africaine, à travers différents mécanismes, que ce soit l'ODA-NEPAD, que ce soit les programmes régionaux, nous avons le programme qu'il faut. Et je pense qu'avec la Russie, nous pourrons travailler ensemble avec les BRICS et avec tout autre partenaire qui souhaiterait travailler dans nos priorités. Nous pourrons ensemble bâtir une prospérité partagée. Je pense que s'agissant maintenant de nos soucis, et notre souci principal reste la paix sur le continent. Notre souci, c'est la sécurité à l'échelle du continent et du monde. Nous souhaitons, Monsieur le Président, la désescalade pour aider à l'accalmie et à la restauration du libre commerce des céréales et des fertilisants. Ça, c'est mon discours depuis le premier jour du conflit russo-ukrainien. Puisque l'Afrique, au-delà du blé, produit des céréales. Nous produisons du mil, du maïs, du sorgho. Nous produisons toutes sortes de céréales. Mais sans fertilisants, comment allons-nous faire? Donc, toutes les contraintes contre le commerce des céréales et des fertilisants doivent être levées. Mais ce soir, nous verrons le président et je pense que nous aurons l'occasion, sur l'initiative de la paix africaine, d'avancer sur ces sujets. Mais aussi, cela nous permettrait, par rapport aux autres partenaires, sur les restrictions par rapport au commerce, de plaider pour la levée de toutes les restrictions afin que les pays puissent retrouver un commerce libre au bénéfice de toutes les populations. Monsieur le Président, je vais m'en arrêter là puisque je ne voudrais pas être plus long, mais nous souhaitons une action de la Russie à l'échelle de l'Union africaine dans le domaine de la sécurité. Nous avons une architecture de la paix pour l'Union africaine. Nous sommes en train de voir comment l'Afrique peut prendre en charge, dès lors que le Conseil de sécurité a failli à cette mission, qui est de restaurer la paix partout dans le monde. Le terrorisme gangrène notre continent sans qu'il n'y ait aucune solidarité majeure en faveur de l'Afrique. Donc ce sujet-là, je pense que c'est un sujet important pour notre sommet. L'autre sujet important, je l'ai dit, c'est vraiment l'investissement que nous devons pouvoir faire ensemble pour une prospérité partagée. Je ne peux terminer, Monsieur le Président, sans vous féliciter et vous remercier pour le soutien diligent que vous avez apporté à la demande d'adhésion de l'Afrique comme membre de plein droit du G20. Cela participe de notre revendication pour une gouvernance politique et économique mondiale plus juste et plus inclusive, y compris par la réforme du Conseil de sécurité, afin que l'Afrique y trouve enfin une place plus conforme aux réalités de notre temps. Encore une fois, merci pour votre invitation et plein succès à nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.